Quand la vie humaine est en danger, le temps presse. Porter secours à un blessé comporte sa part de risque, surtout quand il faut intervenir sous terre. Dans l'obscurité, le long des parois humides, les secouristes de l'extrême n'ont pas le droit à l'erreur. Il n'y a jamais eu d'accident à une telle profondeur en Russie et sur toute l'ex-Union URSS où quelqu'un en est sorti vivant. On ne peut pas se fier aux ambulanciers, on ne peut pas se fier, on fait pas le 911. Que ce soit au plus profond des grottes, dans les méandres des galeries des mines ou même sous la surface des grandes villes, le danger est toujours présent. La spéléologie compte des milliers d'adeptes dans le monde. Rien qu'en France, on en dénombre plus de 15 000. Des hommes et des femmes poussés par le défi de découvrir un monde différent, animés par le désir de se surpasser et peut-être de poser le pied là où nul autre ne l'avait fait auparavant. Comme des fourmis, les amateurs de sensations fortes explorent les cavités à des profondeurs toujours plus grandes. Un moment d'inattention, un geste mal calculé, et tout peut basculer dans le drame. Plateau d'Albion, dans le département du Vaucluse, dans le sud de la France. La victime s'est blessée à 8 h ce matin, c'est ça? Autour du puits d'accès, les secours se mettent en place. À 400 mètres sous terre, un homme attend d'être évacué. À cette profondeur, l'opération est délicate, d'autant qu'on ne connaît pas vraiment l'état du blessé. Entrée APC, vous me recevez? Cordage, poulies, mousquetons, matériel de communication, tout est prêt. Circonstance de l'accident, c'est en marchant sur les blocs au bas du puits, la victime a glissé, c'est ça? Ces hommes et ces femmes font partie d'un corps d'élite spécialisé en sauvetage dans le milieu souterrain. Ils sont membres du groupe SSF, le Spéléo Secours Français. À la tête de l'équipe, Bernard Tourte, un homme d'expérience reconnu par l'ensemble de la communauté des spéléologues à travers le monde. Il a mené plusieurs expéditions. Avec ses 30 années d'expérience, le chef d'équipe a une solide réputation. Il a évacué des blessés dans les pires conditions. Bernard est un spécialiste des secours souterrains. En tant que chef secouriste, c'est lui qui va prodiguer les soins d'urgence aux blessés et préparer son évacuation en civière. La descente s'amorce. Les autres membres de l'équipe vont tisser à partir de la surface un véritable écheveau de cordes et de poulies pour permettre l'évacuation du blessé. 10h42, entrée sous terre de l'équipe ASV, Malsagne à Pascal et Clément Philippe. En réalité, il s'agit d'un exercice. Mais pour l'équipe, il n'y a pas de différence. Les gestes et la rapidité d'exécution doivent être les mêmes que sur une intervention réelle. Car sous terre, mal préparé, le moindre incident peut se transformer en véritable cauchemar. C'est bon, il va être en poids, là. Le chef d'équipe entame sa descente à vive allure. Il existe dans le monde souterrain une règle absolue que nul ne doit enfreindre. Savoir porter assistance à ceux qui sont en difficulté. Cette responsabilité repose entre les mains des membres du Spéléo Secours Français, appelés à intervenir partout sur le territoire et même à l'étranger. Il fait frais là ou quoi? Il y a longtemps que vous avez fini l'équipement? D'accord. Voilà, donc là il y a un équipier qui fait partie d'une équipe numéro 5 qui a terminé son installation secours sur son secteur. Et à partir du moment là où une équipe se met en attente, ben, l'intérêt pour chaque équipier, c'est éviter de perdre un maximum de calories en attendant que la civière puisse être évacuée et qu'elle rentre en action. Donc soit on va se mettre sous un petit point chaud ponctuel, sous une couverture de survie, ou soit on va se couvrir avec une espèce de burqa pour essayer de soi-même s'économiser et éviter tout effet hypothermique ou autre, qui forcément serait signe après de fatigue et de difficultés supplémentaires dans la phase d'évacuation. Bon, eh bien, écoute, c'est l'équipe médicale et on va aller au contact
de notre chère victime. Le succès de l'opération repose sur l'efficacité, la précision et l'endurance. Une vie en dépend. Sous terre, à différentes profondeurs, des postes de communication avec la surface ont été aménagés par d'autres équipiers qui ont préparé le terrain. Surface, surface de point chaud. Ouais, Philippe de l'ASV pour surface. Le lien avec la surface est essentiel. Okay, dans le QG, les conseillers techniques suivent la progression de Bernard. Je me rends aux côtés de la victime pour faire un bilan médical. Moi, je suis prêt pour... Ils devront coordonner les opérations de chacune des équipes lorsque viendra le temps de hisser la civière. Donc là, on est à peu près à la côte de moins de 100 mètres, dans ce gouffre du Calavon. Donc c'est le point où on a installé le fameux point chaud. Donc le point chaud, il a été installé par l'équipe d'assistance victime. La première équipe qui arrive au contact de la victime une fois que le témoin a déclenché l'alerte en surface. Et son but, ça a été d'installer une tente dans laquelle on va mettre du chauffage et qui va nous permettre d'installer le plus confortablement possible la victime. Voilà. En plus de réconforter le blessé, la tente permet de créer un point chaud. L'hypothermie est le plus gros danger pour les victimes. On prépare le blessé avec précaution. Les secouristes lui enfilent des vêtements spécialement conçus pour conserver la chaleur du corps. Confectionnés en sections amovibles, ils sont faciles à installer et restent secs. Voilà. Ce qui est important quand on a une évacuation verticale, c'est d'assurer ce qu'on appelle un bon brêlage, c'est-à-dire un bon réglage des systèmes de sanglage qu'on a sur la civière. De façon à ce que quand il va passer d'une position inclinée, horizontale ou verticale, qui va sans arrêt faire des changements de posture, il se retrouve quand même, lui, avec une tension constante relativement confortable. Donc que ce soit pas trop tendu au niveau des fémorales, pas trop tendu au niveau pectoral, mais qu'il y ait une bonne répartition entre les différents sanglages. Voilà, donc c'est vrai qu'on passe en général un peu de temps à faire ces réglages pour arriver à affiner le mieux possible. Quoi. Bon, tu leur signales que le médecin, il dit que médicalement, la victime elle est prête à être mise en civière. 400 mètres à la verticale, des puits hauts comme des cathédrales, des passages étroits, le plus dur est à venir. Oh ben la difficulté, c'est les gens qui sont en haut, hein, qui sont sur ce qu'on appelle un système de contrepoids. Donc en fait, il y a une poulie, il y a quelqu'un qui se suspend d'un côté, hein, et de l'autre côté, on a la civière. Voilà. Donc on va faire fonctionner ce contrepoids pour faire monter la civière et descendre le coéquipier qui, lui, est en contrepoids. Voilà. Donc la difficulté, c'est de trouver le bon équilibre en rapport de poids et de force pour que la civière monte de façon linéaire. Allez, la civière est décollée. La victime est littéralement ficelée à son brancard. Se balancer dans le vide avec une sangle mal ajustée peut signifier la mort, même pour un cobaye qui joue au blessé. Tout repose sur le système de poulie. Un secouriste fait contrepoids à la civière avec son corps. Chaque traction sur la corde pousse la civière vers le haut. Chaque seconde exige une cohésion sans faille. Les secours en milieu souterrain sont exigeants, difficiles, ardus et peuvent prendre des heures. Bernard est là pour s'assurer que toute l'équipe est au point. La grotte d'Albion est parsemée de méandres, d'étroitures et de puits. Chacun doit jouer son rôle avec précision. C'est complexe. Techniquement, c'est quand même une affaire qui est bien technique. C'est pour ça qu'on ne cesse de dire au niveau du spéléo-secours français qu'avant d'être sauveteur, il faut être très bon spéléologue. Parce que la première capacité d'un sauveteur, ça va être la capacité et la facilité à se mouvoir dans le milieu. Donc si on sait se mouvoir aisément, déjà c'est 90% de l'efficacité qui va être gagnée. C'est pour ça que pour nous, vraiment, ne peuvent être sauveteurs que des gens qui ont une très grosse pratique. Voilà. Et les pratiquants, ce sont avant tout les passionnés. Parce que les passionnés, tous les week-ends, ils sont sous terre. Attention, là tu le tiens, tu l'empêches d'aller sans poignée au col là-bas.
Action debout. À douceur. Hop. Je voulais lâcher. Ok. Mouleur bourse. Hop. La civière est en train de franchir le méandre entre le sommet du pétrante et la base du puits qui suit. Soudain, les choses se compliquent. L'équipe se heurte à un problème de taille. Allez, les gars. La civière se coince alors qu'elle franchit un passage étroit dans un méandre de la grotte. Si on ne trouve pas le moyen de franchir cet obstacle, l'opération sera un échec. Bernard reprend les choses en main. L'évacuation en milieu souterrain exige une grande concentration pour les secouristes. Les secours en milieu souterrain peuvent prendre des heures. Chaque membre doit être continuellement aux aguets. Les chutes dans le vide peuvent survenir à tout moment. Attention, il coince. Attention à ce bras. L'évacuation d'un blessé sous terre représente trop de risques pour confier cette mission à de simples amateurs. Les hommes et les femmes du Spéléo Secours français sont formés pour sauver des vies en unissant leurs forces et en améliorant sans cesse leurs techniques d'intervention. Civière décollée. Eh bien, parfait. Bernard vient de démontrer une fois de plus sa grande expertise en matière de sauvetage spéléologique. Allez, la mission est réussie. Une dizaine d'opérations de sauvetage se déroulent chaque année sur le territoire français. Grâce à la prévention et à la formation des spéléologues amateurs, les accidents graves sont moins nombreux qu'il y a 20 ans. La spéléologie, c'est une communauté solidaire où chacun sait que ben, si son collègue a un souci à un moment, il faudra très rapidement lui porter secours. Et ensuite, on a besoin d'une très grande solidarité pour assurer cette chaîne d'évacuation qui va permettre une extraction rapide, une prise en charge rapide et une extraction rapide d'une victime du milieu du terrain. L'opération touche à sa fin, mais ce n'est pas la lumière du jour qui accueille les sauveteurs. 8 heures se sont écoulées entre le début et la fin de l'exercice. La nuit est déjà tombée. Les membres de l'équipe sortent épuisés des entrailles de la terre. Le chef d'équipe et président du Spéléo Secours français est satisfait. Il sait bien que la prochaine fois, cela pourra être vrai. Tenir la vie d'un homme entre ses mains au plus profond de la terre, Bernard connaît. En 2003, Bernard et une équipe de spéléologues de plusieurs pays participent à une expédition hors du commun. République d'Abkhazie, au nord-ouest de la Géorgie. On se croirait au bout du monde. Coincé entre la mer Noire et les montagnes du Caucase, l'Abkhazie s'est détachée de la Géorgie en 1992. Le grand frère russe contrôle les frontières. Aucun étranger n'a officiellement l'autorisation de s'y rendre. Mais pour les spéléologues, l'enjeu est trop grand. Le pays détient la grotte la plus profonde du monde, Krubera. Et ses limites ne sont pas encore atteintes. Bernard Tourte est à la tête d'une équipe internationale de spéléologues qui tente d'établir un nouveau record. C'était une expédition qu'on avait menée sur tout le mois d'août, quasiment. À ce moment-là, on était 60-70 sous terre en permanence. Donc des gens qui étaient sur le camp 1 à moins 500, d'autres sur le camp 2 à moins 1200, d'autres sur le camp 3 à moins 1400, etc., etc. Nous, on était à moins 1680. Et voilà, tout le monde relié par téléphone. Plus les hommes s'y aventurent et plus les risques sont grands. On les gère exactement comme les explorations, comme les expéditions qui ont été menées par le passé sur l'Everest. Hein, avec un premier camp, un autre camp avancé, un autre camp. Le camp 1 va alimenter le camp 2, le camp 2 va alimenter le camp 3, etc.
des mois de préparation dans l'espoir de réussir ce qu'aucun être humain n'a encore réussi à accomplir. Descendre à plus de 2000 mètres sous terre. Dans la veille de notre descente, il y a eu un orage, un terrible orage qui s'est abattu sur le camp. Tout d'un coup, on entend un bruit effroyable d'une chute. Et on entend hurler. Et à ce moment-là, on est à la base du puits de 150 mètres. C'est un très grand volume et il y a encore quand même beaucoup d'eau qui tombe. À Croubeyra, lorsque les orages sévissent, les spéléologues qui sont dans la grotte savent qu'il y a un risque. Sous terre, si la cavité se remplit, c'est la noyade assurée. Personnellement, je suis persuadé que le bruit vient d'en haut. Donc je sors, j'éclaire vers le haut, il y a des embruns, parce que la cascade elle descend quand même de près de 150 mètres. Je remonte quelques mètres et là, je vois effectivement une lueur. Et plus je m'élève, plus je vois que cette lueur, c'est quelqu'un qui est suspendu. Et puis je me rends compte que c'est vraiment quelqu'un qui a chuté, qui s'est retrouvé suspendu sur la corde. Voilà, et qui ne bouge pas à ce moment-là. Les symptômes, il saigne abondamment d'un pied. Hein. Immédiatement, je vois qu'il a deux dents de cassé. Mais en apparence, c'est tout. Il est tout blanc, voilà, complètement livide. Voilà. Avec les yeux qui, à un moment, se sont entrouverts, donc ça me laisse à penser que, voilà, il est dans une phase un petit peu de semi-inconscience, on va dire. L'homme a fait une chute de plus de 30 mètres. Son corps a heurté la paroi avant de s'immobiliser brusquement par un nœud de corde. Ce qu'il faut savoir pour la petite histoire, c'est qu'en même temps, à surface, comme on était sur le gouffre record du monde, il y avait une équipe qui faisait un documentaire. Ils ont fait une petite interview à deux des gens qui étaient à la tête de l'organisation de ce camp d'exploration, leur demandant ce qu'ils pensaient par rapport à l'accident, etc. À ce moment-là, il leur a quand même été annoncé, mais de toute façon, il ne sortira pas vivant. Là, il est mort. Il n'y a jamais eu d'accident à une telle profondeur en Russie. Et sur... toute l'ex-Union URSS, où quelqu'un en est sorti vivant. Parce qu'on ne peut pas, de telle profondeur, avec un tel accident, imaginer qu'il puisse sortir vivant. Et moi, ça, je ne le savais même pas, puisque j'étais sous terre à son contact. Et pour moi, il était inimaginable qu'on puisse imaginer une seconde, on ne pourrait pas le sortir de là. On a une petite trousse de secours. Donc déjà, je lui enlève la botte, je me rends compte qu'il a une fracture ouverte, donc point de compression, et je lui fais un bandage relativement serré pour éviter qu'il ait trop de pertes de sang au niveau de la cheville. Le spéléologue français et son acolyte espagnol sont confrontés à une tâche d'envergure. Ils sont les seuls capables d'effectuer un tel secours. Les autres membres de l'équipe ne possèdent aucune compétence pour évacuer la victime dans une telle situation. Les chances de réussite sont minimes. Bernard prend en charge l'opération. Immédiatement, j'échange là-dessus avec Sergio, qui maintenant est en surface. Je lui dis, ben, écoute Sergio, il faut que tu voies avec les Russes pour qu'ils puissent nous trouver une civière qui pourrait permettre de mettre en œuvre l'évacuation. Et il faut aussi immédiatement que les personnes qui savent utiliser les explosifs, dont les explosifs, ce n'est pas des explosifs tels qu'on les utilise en France, mais c'est de la poudre noire qui nous permet de faire des dynamitages et donc d'agrandir des passages étroits. Il faut que toutes les personnes du camp qui savent utiliser ce genre d'explosifs se mettent de suite en œuvre pour élargir, pour commencer à élargir tous les passages qui vont poser problème pour l'évacuation. De son côté, l'équipe russe s'active. La carte de la grotte de Croubeyra ressemble à un réseau d'artères. Certaines devront être élargies pour le passage de la civière. Cela prendra des heures. Le profil de la cavité, c'est 150 mètres, puits de 150 mètres, un méandre extrêmement étroit. Après, on repart sur un puits de 110 mètres. Après, on a encore un nouveau méandre. Après, on a un autre puits de 110 mètres. Et après, on a toute une zone de petits puits étroits. L'équipe de secours va commencer un véritable travail de forçat. Ils vont se transformer en terrassiers des profondeurs. C'est à coups de pioche qu'il faut élargir certains passages. Le son des drilles résonne dans la caverne sans fin. Un travail épuisant, d'autant qu'il faut garder tous ses sens en alerte pour éviter l'irréparable. Une autre chute signifierait la fin du sauvetage. Dans les heures qui ont suivi, on a commencé à entendre des dynamitages. Donc, en haut du puits de 150 mètres, il y avait des équipes qui se mettaient en place et qui commençaient à travailler en désobstruction.
Le risque d'obstruction que peuvent entraîner ces explosions hante les membres de l'équipe. Il a fallu plus de 120 explosions pour dégager la voie. L'état du blessé se stabilise. Les tranquillisants qu'on lui a administrés font effet. Mais pour combien de temps ? La problématique à Russie, en fait, c'est qu'avant qu'on ait une civière, il a fallu qu'on attende presque 30 heures. Voilà. Donc pendant ce temps, ben, moi j'étais aux côtés de Sacha, la soudaire, à moins 500, à attendre, à manger, à régulièrement lui faire des piqûres de morphine pour le soulager de la douleur. Et jusqu'au moment où on a eu cette civière qui est arrivée. Parce qu'on était en Abkhazie, donc c'est une zone qui était un peu sous blocage militaire, avec d'un côté les Américains qui soutiennent la Géorgie, de l'autre les Russes qui souhaitent protéger un petit peu l'Abkhazie pour mettre un peu la main sur la côte de la mer Noire. Et du coup, quand on a demandé à avoir une civière qui puisse nous permettre d'avoir l'évacuation, il a fallu la faire venir de Russie. Et là, les autorités ont refusé que cette équipe puisse nous apporter la civière par moyen héliporté. Voilà, pour des risques d'attaque aérienne, etc., etc. Donc ils sont venus par la route. Donc le temps qu'ils arrivent et qu'ils puissent passer la frontière et qu'ils nous amènent une civière là-bas sur place, ça nous a pris quasiment 30 heures. En fait, on avait eu une civière qui avait récupéré les services de secours de Sotchi. Enfin, c'est une civière qui avait été laissée lors d'une formation sauvetage en mer par une équipe allemande. Et c'était une civière qui datait de 1961. Donc c'était pas du tout un modèle récent, et c'était une civière en fait d'hélicoptère. Voilà. Donc on a adapté un petit peu avec des bouts de ficelle, des choses comme ça, et qui nous a permis de gérer l'évacuation depuis moins 500 jusqu'à la surface. Hein ? Ouais, je mets Sacha en bas dans la civière, donc on a récupéré aussi une attelle, donc je peux lui faire une immobilisation qui tient bien la route au niveau du pied, sur sa fracture ouverte. Et on le met dans un duvet directement. Je garde son harnais sur lui, par mesure de sécurité, parce que la civière, ben, c'est quand même une civière qui n'est pas faite pour être tractée dans les puits. Hein. Et on l'installe dans la civière. Il est temps maintenant de remonter vers la surface, 500 mètres plus haut. Après des heures d'attente, l'évacuation va enfin commencer. Tout dépend maintenant des hommes en haut qui attendent le signal de Bernard pour commencer la traction. Donc le premier qui emplit de renvoi, là, qui aide manuellement, transmet au second, au troisième, etc. Et puis petit à petit, le système commence à se mettre en tension, hein, avec toute l'élasticité, puisque c'est une longueur de 150 mètres. C'est une véritable chaîne humaine qui se dévoue le long des puits et des galeries, sur plus de 500 mètres de profondeur. Les ordres fusent dans toutes les langues, surtout en russe. Chaque poussée se gagne au prix d'efforts surhumains. Chaque palier que franchit la civière est en soi un exploit. Les secouristes redoublent d'efforts. Sauf que là, on rentre dans le fameux méandre qu'ils n'ont pas pu finir d'élargir. Je sais que ça va être une galère. Le problème, c'est que lui, il fait quand même 90 kilos. Quoi. Il fait plus de 90 kilos avec les vêtements, etc. Et dans un passage étroit comme ce méandre, on peut avoir une personne devant, une personne derrière. Et donc, arriver à bouger une masse de 90 kilos dans un truc hyper étroit, c'est extrêmement délicat. Quoi. Ça ne loupe pas, pour faire 30 mètres, on met 3h30. Sergio, attendez, je vais voir des passages. Pour arriver ou pour avoir un petit déchouille ? Non, pour arriver, c'est un peu plus long, c'est ça ? Il faut lever les pieds. C'est surtout les Russes, hein, et tous les gens qui font ces explorations là-bas, qui avaient tous dans leur tête un peu, voilà, on est les meilleurs, on a le gouffre le plus profond du monde, on commence à approcher les moins de 2000 mètres, ça va devenir peut-être le premier moins de 2000 de la planète.
ils avaient oublié une chose, c'est que la spéléologie, c'est pas simplement courir sur des cordes, c'est pas simplement savoir explorer et se définir comme explorateur, mais c'est aussi être en mesure d'assurer, de prendre en charge toute victime et de gérer son évacuation si jamais l'accident venait à se produire. Cela fait maintenant plus de 36 heures que l'opération a commencé. Les hommes sont épuisés et on est encore loin de la surface. Finalement, le passage le plus compliqué sera franchi centimètre par centimètre au prix d'efforts épuisants. Et c'est le secours qu'on a géré simplement avec trois poulies. On avait trois poulies pour gérer l'ensemble de l'opération. Aujourd'hui, une évacuation que nous, on va faire dans un gouffre ici à moins de 100 mètres, on va mettre en œuvre entre 50 et 70 poulies. Voilà. Là-bas, on en avait trois. Donc, il ne fallait pas qu'on en perde une, et puis il fallait qu'on les positionne judicieusement. Et donc on remonte sa chasse depuis l'entrée et il ressort en surface vers 3h30 du matin. Évidemment, c'est un grand soulagement pour tout le monde. Il n'y a que les gens de l'expédition, hein. Il n'y a personne d'autre. Mais c'est... Tout le monde est soulagé d'avoir réussi quelque part. C'est pour eux un exploit. Plus de 64 heures se sont écoulées entre le moment de la chute du spéléologue russe et son retour à la surface. L'épuisement et la joie se lisent sur les visages des sauveteurs qui n'auraient jamais imaginé que leur tentative de record du monde en profondeur se transformerait en sauvetage record. Direction maintenant le nord du Québec, près de Rouyn-Noranda. Un endroit isolé et éloigné où se trouve une mine de très grande profondeur, la mine Casa Berardi, une mine d'or. La Sarre, 6h du matin, janvier. La température est glaciale. Le thermomètre indique moins 40 degrés Celsius. Les ouvriers de la mine s'apprêtent, malgré la noirceur et le froid sibérien, à débuter leur quart de travail. Les activités à la mine ne s'arrêtent jamais. L'extraction de l'or s'effectue 24 heures sur 24. Le métier de mineur peut comporter des risques. En mars 2013, un mineur a perdu la vie lorsqu'il s'est retrouvé coincé entre son camion et la paroi. Aucune mine n'est à l'abri d'accidents parfois mortels. La plus grande hantise des mineurs est de se retrouver piégé à la suite d'un effondrement ou d'un incendie. Tous ont en mémoire le tragique événement survenu dans une mine du Chili. 5 août 2010, le monde retient son souffle. 33 mineurs sont emprisonnés sous terre dans une mine du Chili. Les hommes sont piégés à plus de 700 mètres de profondeur. Après un séjour forcé de 69 jours, les 33 mineurs retrouvent l'air libre. Ce sauvetage reste une référence, une prouesse spectaculaire. Pour les mineurs de tous les pays, c'est la preuve qu'il y a toujours de l'espoir, même dans les pires situations. Depuis le tragique événement, les mines redoublent d'efforts pour former des secouristes qui sont prêts à intervenir en toute situation d'urgence. C'est un jour d'exercice pour les secouristes de la mine Casa Berardi. Au total, ils sont une quarantaine qui ont été formés pour agir rapidement en cas d'accident. Christian Binette est le secouriste en chef de la mission. Le plus gros danger, c'est toujours les incendies. Dans une mine, on peut dire qu'on est comme tu fais un feu dans ton foyer. C'est comme si tout était dans la cheminée. La fumée, elle va sortir par la galerie. Tout est dans la galerie. Fait que c'est comme si tu fais dans la cheminée. Fait que c'est sûr que tu es dans la fumée en tout temps. Aujourd'hui, l'exercice consiste à évacuer un des leurs, coincé sous terre, à plus de 350 mètres de profondeur en raison d'un incendie.
C'est les masques respiratoires pour mettre aux victimes. On est obligé d'avoir ça sur nous autres. Si on est 6 sauveteurs, il faut en avoir 2 juste pour les sauveteurs. Si on a 2 victimes, il faut en amener 2 de plus. Tu as le tuyau respiratoire et il y a le masque qui va avec. Il faut tous les vérifier aussi, les masques. Benjamin, es-tu à l'écoute, Benjamin? La plus grande menace sous terre, c'est le feu. La fumée se propage à la vitesse de l'éclair dans les galeries. Il faut intervenir rapidement pour parer au pire. Dans le cas d'un incendie, quand tu vas agir sur une victime, la visibilité va être réduite. C'est sûr que c'est la plus grosse difficulté qu'on peut rencontrer, selon moi. On a des instruments pour nous aider, on a des caméras thermiques. On va pouvoir voir la victime, ou voir les murs, tout dépendamment de la chaleur. Je pense que la fumée, c'est vraiment ce qui va nous nuire le plus. Dans les autres cas, on se débrouille assez bien. On vérifie la ceinture, la partie à notre droite. On l'étire. Dans l'attirail du secouriste, l'appareil respiratoire communément appelé le BG4 est sans doute le plus important. Il lui permet de respirer comme les plongeurs sous l'eau. Son autonomie est de 4 heures. Sans cet appareil, il serait impossible de se déplacer dans l'atmosphère enfumée des galeries. On prend notre manomètre, on met la valve, on rouvre. 14 kilos, environ 32 livres à peu près. Là. Ouais. On le porte aux épaules, on le porte aux hanches. C'est sûr que quand tu as fait une mission là, de 4 heures, là, que tu es content de l'enlever. Là. L'équipement a été minutieusement inspecté. Tout semble bien fonctionner. La durée de la mission, ça serait 89 minutes. Le chef d'équipe donne les dernières directives. Chacun sait ce qu'il a à faire. Quant au chef des opérations, c'est lui qui va assurer le suivi de l'exercice à la surface. Pour le commun des mortels, pénétrer dans une mine, c'est plonger dans l'inconnu. Des portes étanches isolent les sections. Plus on progresse dans les entrailles de la terre, plus le monde extérieur se ferme derrière soi. Dans la mine, les routes sont sinueuses. Dans cet environnement sombre, les conducteurs savent que le moindre relâchement d'attention de leur part peut entraîner l'irréparable. Le monde souterrain étend ses ramifications comme des artères jusqu'au cœur de la Terre. Les hommes et les machines creusent sans cesse, ouvrant de nouvelles voies qui s'enfoncent toujours plus loin. La mine d'or Casa Berardi atteint plus de 1000 mètres de profondeur. Le camion d'intervention met au minimum 30 minutes avant d'arriver sur les lieux de l'accident. Une zone d'entraînement réservée uniquement aux secouristes. C'est à cet endroit que se trouve la victime. Lorsque survient un accident dans une mine, le temps est le facteur principal. Plus vite les secouristes seront à pied d'œuvre, plus grandes seront les chances de sauver le ou les blessés. Précision, rapidité et sécurité sont les trois règles d'or. Pour une intervention de sauvetage minier, là, la première minute d'intervention, la première heure, c'est toutes des choses que c'est là qui est important pour sauver une vie. Fait que ces premières minutes, premières heures-là, c'est nous autres qui les fait. On ne peut pas se fier aux ambulanciers, on peut pas se fier, on fait pas le 911 là, quand il arrive un problème ici. Malgré tout l'attirail sophistiqué dont disposent les sauveteurs, les moyens les plus simples sont encore les meilleurs. On attache encore le guide. Si jamais on a visibilité à rien nul, de la fumée ou quoi que ce soit, ben, on est capable d'en revenir en suivant le cadre. Aussitôt qu'on débarque du véhicule, on l'a attaché. Puis la surface, en descendant, on l'avait attaché aussi. Là, il suit tout le long en arrière du véhicule. C'est une ligne de vie, s'il y a de la fumée. Là. Une équipe comprend 6 hommes. Le secouriste en chef et son assistant communiquent avec les autres sauveteurs en utilisant des sifflets. Ils sont les seuls autorisés à s'en servir pour transmettre les ordres. Merci, quelqu'un? En cas d'incendie, les signaux sonores ne sont pas efficaces pour avertir les mineurs du danger qui les guette. C'est donc par l'odorat qu'on perçoit l'ordre d'évacuation. Un gaz est acheminé dans le système d'aération de la mine. Pose pas de question. Quand tu as cette odeur-là, tu sais automatiquement qu'il y a un danger, tu t'en vas au refuge. C'est officiel. C'est quelqu'un? C'est quelqu'un? Hey, Pierre! Pierre! OK, gars, il y a une respiration forte!
La vie du mineur dépend maintenant de son évacuation rapide. Chaque secouriste a une tâche à accomplir. L'un d'eux gonfle la telle qui maintiendra la victime pendant son évacuation. Un autre membre de l'équipe, le responsable médical de l'opération, prodigue les premiers soins à la victime. Si on a plusieurs victimes en même temps, il faut savoir quel qu'on sort en premier. Si on a deux gars qui ont des jambes de cassé, on peut rien qu'en sortir un. Si on a un qui est inconscient, qui est conscient, pour prendre une décision, parce que normalement, tout dépend des circonstances, ça se peut qu'on ne peut pas tous les sortir en même temps. Quand plusieurs blessés doivent être évacués, d'autres secouristes sont appelés en renfort. À chaque fois qu'une équipe descend dans la mine, une autre reste en réserve, prête à intervenir. C'est obligatoire. Je vais penser que les gars qu'on va chercher, ça peut être un de mes chums. Il y en a bien qui ont de la parenté, ça peut être ton frère, ça peut être ton cousin. Mais faut pas que tu mettes ta vie à toi et puis la vie de ton équipe en danger. Fait que c'est là que le jugement est important. Le chef d'équipe veille constamment à la sécurité de ses hommes. C'est lui qui vérifie les réserves d'air. À tout moment, il peut lancer l'ordre de repli. Son jugement est capital, ses décisions incontestables. Les signes vitaux sont bons. Le chef d'équipe transmet les informations au directeur des opérations à la surface. Un bilan de santé, essentiel pour la bonne évacuation de la victime, est transmis à l'équipe médicale. L'équipe est maintenant prête à ramener la victime au camion d'urgence. Les coups de sifflet se font entendre. Il est temps de marcher. Les secouristes des mines sont tous volontaires. Ils sont prêts à prendre des risques pour porter secours à leurs semblables. Eux aussi connaissent la hantise de rester piégés au plus profond des galeries. Quand la mort frappe dans une mine, tous se sentent concernés. Le monde des mines, c'est petit, fait que oui, j'ai des amis que j'ai perdus. Mais c'est sûr que ça reste toujours dans la tête. Puis ça, dans le fond, c'est un bon côté parce que ça nous donne toujours. Ça nous fait toujours penser plus à la sécurité quand on agit, quand on fait notre travail sous terre. Les mines à ce temps, c'est de plus en plus gros, de plus en plus étendu. Les services de sauvetage minier se sont rendus compte qu'il fallait adapter ça, qu'il fallait trouver des méthodes là, pour être capable de faire ces longues distances-là. Parce que bien beau, on fait 4 heures, mais s'il y a du monde plus loin, il va falloir aller les sauver d'une manière ou de l'autre. La mine Casa Berardi fait preuve d'innovation en matière de secours minier. Elle est l'une des seules au Québec à posséder un camion d'urgence réservé exclusivement aux secours souterrains. Le blessé est installé à l'arrière du véhicule qui sert aussi d'ambulance pour le transport des victimes. À l'intérieur, les blessés sont directement alimentés en oxygène. On a monté en surface là, le plus rapidement possible. On va le donner aux services médicaux. Ils vont la prendre en charge. Ils vont l'envoyer pour faire ce qu'il y a à faire avec. Nous autres, notre bout est fait. En courant à la surface. Aujourd'hui, ce n'est qu'un exercice. Demain, ces mêmes galeries pourraient être envahies par la fumée et plongées dans l'obscurité la plus totale. Les secouristes devront alors serrer les rangs et malgré tout aller au bout de leur mission jusqu'à l'extrême limite. Oh oui. Tranquille. Même au sein des grandes villes, le secours souterrain doit être anticipé. Chaque jour, les métros accueillent des millions de passagers qui peuvent être confrontés à tout moment à de multiples dangers. La ville de Boston possède l'un des plus anciens métros en Amérique du Nord. Par sa configuration composée de tunnels souterrains, le métro de Boston peut devenir un piège susceptible de se refermer sur les usagers. Le 11 mars 2004, plusieurs bombes explosent dans le réseau souterrain de Madrid. Près de 200 personnes périssent, 1400 sont blessées. Juillet 2005, autre attentat cette fois à Londres.
56 morts et 700 blessés. Les terroristes frappent à toute heure du jour. Aucune grande ville n'est à l'abri. Les passagers n'ont aucun moyen de se protéger, alors qu'à tout moment, dans les entrailles de la ville, tout peut basculer dans l'horreur. Boston, le 15 avril 2013. Les citoyens de cette ville subissent tous un énorme traumatisme. J'ai entendu l'appel de notre officier qui nous disait qu'il y avait eu peut-être des explosions. J'ai commencé par me rendre là-bas en sachant que si quelque chose avait bel et bien explosé, on devait y aller. Deux bombes explosent près de la ligne d'arrivée du célèbre marathon de Boston. Deux personnes meurent et 264 autres sont blessées. Parmi les premiers intervenants, une unité d'élite. Les bomb technicians, ce sont des démineurs de l'extrême. Vous savez, on voit ce qui se produit au Moyen-Orient. Parfois, ça arrive jusqu'à nous. Alors si on voit quelque chose là-bas, on essaie de se préparer avant que ça n'arrive ici. Lorsque ça se produit, nous sommes alors mieux préparés. Mais personne ne pouvait prévoir les explosions de Boston. C'était un immense choc. Les Bostoniens ont pris conscience d'un danger terroriste au sein même de leur ville. Rien ne sera plus jamais pareil. Les autorités craignent que la prochaine cible soit le métro. Peu de temps après l'attentat, une station désaffectée du réseau a donc été transformée en lieu d'exercice des pires catastrophes. C'est ici que les membres des unités d'élite améliorent leur méthode d'intervention. Ils nous ont donné un véritable terrain d'entraînement pour travailler et pour parfaire nos techniques et être vraiment opérationnels. À la fine pointe de la technologie, c'est l'un des seuls centres de ce genre dans tous les États-Unis. Policiers, pompiers, membres du FBI et des mineurs le fréquentent, à l'abri des regards indiscrets. Notre caméra est exceptionnellement admise dans ce lieu tenu secret. On peut simuler des incidents, comme un incendie ou un accident. On peut mettre de la fumée dans la station. Les officiers et le service d'incendie peuvent répondre. On peut ajouter de la fumée ici, des cris de foule paniquée. Des explosions électroniques aussi. Alors lorsqu'ils approchent, ils doivent décider s'ils continuent à avancer ou s'ils rebroussent chemin. Si une escouade anti-bombe entre ici, ils doivent trouver de l'air à respirer, simuler des incendies. On ne sait pas ce qui brûle. C'est une salle de classe incroyable. Et ils vont se servir de ce qu'ils apprennent ici pour l'appliquer dans la réalité. Et c'est un vrai défi. Aujourd'hui, c'est jour d'exercice. L'officier Rubino commande cette section composée de 4 personnes. La mission consiste à vérifier le contenu d'un bagage suspect qui a été abandonné dans la station de métro. J'ai tout là-dedans. C'est tout mon équipement, ma combinaison anti-bombe que je vais prendre. La formation de ce corps d'élite ne néglige aucun scénario qui pourrait mettre en péril la vie des Bostoniens. Ils sont prêts à tout. La dernière à avoir rejoint les rangs de l'escouade est un ancien membre du corps des Marines. On essaie de s'entraîner et de faire quelque chose de différent tous les jours. Ça peut être d'utiliser des pièces d'équipement qu'on n'utilisera pas nécessairement, mais qui doivent être prêtes à l'emploi. S'assurer que les batteries et tout le matériel est chargé et prêt à l'utilisation quand vient le temps de travailler. Mets ta jambe là-dedans. Pour moi, ce n'est pas effrayant, mais c'est plutôt pour me concentrer sur ce que je dois faire. M'assurer que je sais tout ce que je dois savoir lorsque j'arrive là-bas. Je sais que je dois descendre, que je dois passer le colis au rayon X, je sais comment m'en approcher. Je dois m'assurer de ne rien oublier et d'apporter tout ce dont j'ai besoin avec moi lorsque j'y vais. J'ai été la première femme de l'escouade anti-bombe à obtenir mon diplôme de l'école dans l'État du Massachusetts. À l'heure actuelle, il n'y a pas encore eu d'autres femmes qui ont tenté de s'y inscrire ou de se joindre à l'escouade anti-bombe. C'est un casque. Je crois que c'est un Lexan Shield. Il est insonorisé pour éliminer les bruits trop forts ou les réduire. Il comprend un système d'éclairage et un dégivreur. Il y a juste assez d'air pour avoir un peu de fraîcheur et ne pas se sentir étouffé et claustrophobe. Il est lourd, je crois qu'il pèse 7,5 kg.
Il est ajusté pour sa tête, pour que ses oreilles soient bien recouvertes et pour que ça aille. C'est ma combinaison à moi seul. Personne d'autre ne la porte. Elle est configurée pour moi. Je ne sais pas exactement combien pèse celle-là, pour être honnête avec vous, mais c'est probablement... Je ne sais pas. 30 kilos ? La combinaison complète ? La combinaison et le casque ensemble. Il est en train d'attacher les câbles maintenant, qui seront reliés à l'ensemble de batteries que j'ai ici. Ça me permettra d'avoir de l'air et ce genre de choses. Elle peut l'ajuster, allumer les lumières, gérer le son et le système de dégivrage à partir de ce tableau de commande. T'es prête ? Oui. Parfait. C'est parti. C'est un système à rayon X. C'est notre source, on va prendre une image du colis et si tout va bien, on pourra voir ce qu'il contient. Vêtu de sa lourde combinaison, l'officier Thibaudeau avance lentement. Elle jette un œil aux alentours afin de s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres dangers. On fait constamment des choses différentes, des expérimentations, parce qu'ils tentent toujours de fabriquer quelque chose pour nous battre. On doit donc s'entraîner autant que possible pour s'assurer d'être au top et de savoir ce qu'on fait. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Les sens en alerte, chaque pas la rapproche un petit peu plus du danger. La phase délicate de l'opération commence. Le bagage semble a priori inoffensif. Pour les besoins de l'exercice, un signal sonore va se déclencher à la moindre secousse, comme s'il s'agissait d'une véritable explosion. Cela augmente le niveau de stress. Je prends une image à rayon X du colis afin de savoir ce qu'il contient. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la ramener et la développer pour arriver à voir l'intérieur du colis grâce au rayon X. Voici l'image à rayon X qu'elle a prise. On peut voir une batterie à 9 trous ici. Il semble que ce soit un détonateur relié à de puissances explosives juste ici. Là, on peut voir un micro-interrupteur qui, si on ramassait le colis, déclencherait le circuit. À ce stade, on utiliserait probablement notre robot. On l'enverrait là-bas avec des caméras pour qu'il puisse filmer le colis. Le iRobot a été spécialement conçu pour intervenir dans les milieux souterrains, difficiles d'accès comme les métros. Sa petite taille lui permet de se faufiler un peu partout sans difficulté. C'est à lui que revient la tâche de neutraliser définitivement l'engin explosif. En tant que robot guy, John, l'officier de police, le contrôle à distance. Les caméras du robot lui renvoie une vision panoramique de toute la scène. L'exercice lui permet de pratiquer les délicates manœuvres pour approcher le colis suspect. Il contrôle l'engin avec minutie et précision. En aucun cas, l'alarme du colis ne doit être déclenchée, sinon l'exercice est un échec. iRobot s'approche et vise le colis suspect. Retirez. 3, 2, 1. C'est un morceau de boîte en carton. Il y avait une boîte en carton à l'intérieur du sac de plastique qui s'est séparé des différents composants. C'est quoi ça ? Ça ressemble à... On va dire une batterie ? C'est en effet une batterie. Ça ressemble à ça, c'est la batterie juste ici. Qu'est-ce qui est écrit ? Quelque chose ? Cell ? Oui, cell. On peut voir les connexions ici. L'officier Thibaudeau retourne sur les lieux pour s'assurer que les fragments ne présentent aucun risque. Il faut tout prendre sérieusement, parce que cette boîte ici semblait tout à fait inoffensive, mais elle contenait les matériaux nécessaires pour la fabrication d'une EEI, ou engin explosif improvisé. Alors on s'est assuré de la désamorcer et de séparer tous les matériaux pour qu'elle ne représente plus de risque. L'unité spéciale peut ranger le matériel. La mission est accomplie avec succès. Partout dans le monde, des hommes et des femmes se préparent à affronter les pires situations afin de venir en aide à des victimes sous terre. Ce sont des secouristes de l'extrême que l'on retrouve aussi bien au fond des mines, dans les cavernes les plus profondes, que dans les dédales des cités souterraines.
Placés en première ligne, ils poussent leurs limites au maximum pour sauver des vies ou empêcher des désastres. Ils sont là pour intervenir quand on pense que tout est perdu. We'll be right back.